Ouais, jusqu'à c'est plus l'aéroport, haut. toi? Oui. Ah ben jusqu'à où on peut aller? Après, faut rouler Tu vois où, non? tranquille. On peut pas. Libla. Faut rouler tranquille, pas d'excès de vitesse, rien. Ça, ils ont pas lieu de Et toi là? nous arrêter. Vas-y, ouvre la voiture. Je fais ça rapidement. Une voiture qui arrive. Non, c'est un camion. C'est le camion. Putain. User left your channel. La BM? Quoi, la bière? Voilà. Bon, c'est bon. Attends, ils ont vendu la BM? User disconnected from your channel. Mais vous êtes. Voilà, parfait. Parti, La on y va? BM, comment... qu'est-ce qui s'est passé avec la BM? Ah, ils n'arrivaient pas à le faire sortir dedans. Bon, ils ont utilisé des moyens radicaux. Ou radicaux plutôt. Comment vous allez, monsieur l'agent? Ah, ça va. Bonjour, monsieur l'agent. Bonjour. Là, vous faites un travail admirable. Hein. Ouais, tellement admirable qu'on se fait prendre en otage. Hein. C'est vrai que c'est admirable. Ah, bah, pas prendre en User otage, left non. Your Je vous channel. avais User prévenu, joined les your gendarmes. channel. Votre général savait que j'allais agir à un moment ou à un autre. Je sais pas de quoi vous parlez, moi je viens de Ah, prendre un bah service, oui, madame. c'est Hein. ça qui est bête. C'est quoi votre grade? Monsieur première classe. Première classe. Et votre En nom? plus. Monsieur Flett. Monsieur Flett. Et votre prénom? Parti. Monsieur Tartiflette, alors. Waouh! Oh. Sacré nom, quoi. Ça vous Typiquement voit petit français, tout non? ça. Tout à fait. User left your Ah, da, channel. da. Faudrait que j'en goûte de la tartiflette. Ah, faut aller à les Pyrénées, faut aller à la montagne, Avec madame. un petit peu de vodka. Ouais, Vodka. toujours ça fait la différence. Qu'est-ce que vous voulez faire avec moi? Oh. Ah, Monsieur vous pose de inquiétez grandes pas. questions. Ah, je pose une question, tout simplement. Hein. Oui, mais vous avez tout à Vous fait saurez raison. une fois qu'on sera sur place, monsieur. Pas d'inquiétude, vous inquiétez pas, on vous a préparé un très beau programme. Ah, j'ai un appel. Qui ça? Vous avez payé cher pour m'avoir? Alors, pas Oh, du tout. vous coûtez pas bien C'était cher, gratuit, monsieur. limite. On voulait juste pas se fatiguer, vous voyez ce que je veux dire. Je comprends. Quand d'autres peuvent le faire pour vous, on n'hésite pas, quoi. Vous avez une femme, des enfants, dites-moi. Eh ben oui, tout à fait. Oui. Ah, comment s'appelle la demoiselle? Ça vous regarde pas, madame. Raclette. Ah bah c'est con. Pardon. Ah ben oui, on a commencé la première question, mais bon, c'est con. User in your Puis alors, channel, les deux timed out. petits, comment ils s'appellent? Il Vous en s'appelle. avez deux, du moins. Il s'appelle. User left your channel. User joined your Aidez-moi. channel. Ta gueule, je te Ouais, déballe, je suis ta là, gueule. je suis là! Enfin, ta gueule, tu veux que je te bute tout de suite là? Ah oh, bah attends, je vais le bâillonner là. Souviens baillon, Moi ta tout de suite petite là. sochette Tiens. Igor. Elle pue bien en plus. User left your channel. Là, monsieur. Voilà. Après bon, vous pouvez toujours tenter de faire Ça va pas vous sauver, vous savez, hein. Ah ben oui, non, ben c'est con. User left your channel. La vie est belle. La vie est belle. J'aime la vie. Ça va? Vous voulez pas continuer avec moi? Ah, c'est con quoi.
On chantait bien tous les deux, c'était en rythme. Vos collègues semblaient apprécier, vu qu'ils ne sont pas venus vous aider. Donc bon, à partir de là, ils veulent justement qu'on continue les péripéties ensemble, quoi. Tiens. Voilà. Oh, t'inquiète pas, prends ton temps. Hein. Oui. User joined your channel. Regarde rapidement sur la carte là. Bah, tu sais quoi, on va aller là. Ça va être bien là, on a pas de soucis. Puis ce sera tranquille. Toi, tourner à droite sur le petit sentier. Ah ben tu verras, ben t'es radical hein. Ben ouais c'est vrai, j'avais complètement zappé. J'ai pas eu votre vodka putain. Pourtant j'ai demandé à la faire apporter, hein, c'est con. Vodka. Ouais, vous inquiétez pas les gars. Ah bah ben, sinon monsieur l'agent. Parce que je vous entends pas trop tout d'un coup. Ah bah c'est con. Ah bah il faut me parler correctement hein. J'ai appris le français. Ah. Eh hey, papy, prépare le caméscope là. User left your channel. Wow, un cadre idyllique pour une mort magnifique. Ah ben, tu peux ouvrir la voiture. Bon, je vais sortir le monsieur. Bon Marco, la caméra elle est ouverte. Marco. Ouais, c'est bon. D'accord, c'est bon. Ouais. Da. Viviette, peuple de Malden. Aujourd'hui, ben, on a récupéré une première classe. Ah mais c'est vrai, il a encore le baillon. Oh putain, c'est con. Igor. Igor. Monte là-haut, Igor. Monte là-haut, la montagne, là. Et regarde bien partout. Prends Red Bull. Prends Red Bull. Parle parce que justement, j'agis. Comme me l'a dit Monsieur Pépito, il suffit de parler, mais d'agir. Il m'a cru pas capable de récupérer l'un de ses hommes, alors, comme je lui ai dit, allez le faire. Et il m'a pas cru. Alors, je vais vous expliquer ce qu'on va faire avec ce monsieur. Une première classe, il a une jeune femme. Vous avez des enfants, monsieur ? Ah, d'accord. Très bien. Le monsieur a une femme et des enfants. À partir de là, monsieur. Dites-moi. Parlez fort, hein, monsieur. Pour vous, pourquoi avoir rejoint la police, dites-moi.
ou plutôt la gendarmerie. Aider la population, dit-il. Mais bon, quand la population a besoin de gendarmes, il ne se passe jamais rien. Pourquoi, monsieur? Très bien. Il faut demander aux supérieurs. Quoi qu'il arrive, ce qui se passe avec la gendarmerie, c'est qu'il faut demander aux supérieurs. Mais quand tu parles à le supérieur, eh ben, il traite comme de la merde. Vous savez, à cause de vous, monsieur l'agent, parce que je vous considère tous dans le même panier. À partir de là, monsieur, vous allez payer pour les erreurs de votre général. Vous êtes heureux de le faire, monsieur? Ah, totalement. Parfait. Ça va? Voulez-vous qu'on adresse des derniers vœux à votre femme? Aucunement. Et à vos enfants? Je ne ferai pas ce plaisir. D'accord, très bien. Rappelez-nous votre grade et votre nom et prénom. Vous n'avez pas besoin de savoir, c'est bon. Ah, vous êtes sûr de ça, monsieur? Ah bah, écoutez, quittez, mettez la fin à la vie à un innocent, ce sera plus simple. Non, il ne veut pas parler, le monsieur. User ce qu'on va faire, c'est que vous pensez qu'au final... Parce que putain, malheureusement, elle a le cul attaché. Il y a eu de la glu pour le siège, je sais pas. Bon, il est collé. Donc on peut pas le sortir de la voiture. Non, c'est pour ça qu'il faut dire votre nom et votre prénom vraiment, monsieur. Non, il n'y a pas besoin de savoir. Si, je vous ai obligé de le savoir, monsieur, je vous braque avec mon arme, monsieur. Vous avez les fenêtres, monsieur, hein? Comment, monsieur? Vous avez les fenêtres, hein? Et tout à l'heure, vous criez quand on roulait, il n'y avait pas les fenêtres, non plus? Ah bah oui, c'est vrai. Ah, je vais oublier ça. Je vous dis pas ça pour ça, monsieur. Je dis ça parce que vous criez dans la fenêtre, monsieur. Bah attends, je vais l'ouvrir. Dites votre nom et votre prénom, s'il vous plaît, monsieur. Bah, c'est aucune raison que je vous dise mon nom et mon nom. Monsieur, dites votre nom et votre prénom. Voilà, la fenêtre est ouverte. Dites votre nom et votre prénom, monsieur, s'il vous plaît. Non, vous ne le direz pas. Première classe, tartiflette, c'est bien ça. Ah, c'est bien, vous avez la mémoire. Mais tout à fait. Vous pouvez les choses. Magnifique. On peut maintenant avancer. Bien. Je pense que ça a été arrangé, mais... Qu'est-ce que je voulais vous dire? Putain, vous avez de la chance que vous n'êtes pas dehors. Ah putain, j'aurais pu m'amuser avec vous, mais tellement. Puis à cause de vous, Marco va pas pouvoir s'amuser complètement. Et ça, ça me déçoit fortement. Marco! Arrête là, tu vas le faire peur là. Déjà que bon, il est assez traumatisé. Dites-moi, monsieur, vous aimez l'eau? Non. Ah, c'est con, parce que vous allez adorer ça maintenant. Bon, on va le noyer, je pense. Et on va se barrer à pied. Parce que bon, tirer une balle dans la tête, c'est chiant, quoi. Ouais, bien sûr. Ça va être trop rapide. Vas-y, je te laisse faire, alors. On te suit avec le caméscope. Travail. L'eau, c'est bon. L'eau, ça rafraîchit. Das vidania. Comme vous avez pu le voir, le monsieur est en train de couler. Hein? Malheureusement, il me semble qu'il ne sait pas nager. Ou du moins, à partir de là, il est bloqué. C'est con. Le message s'adresse à vous, gendarme. À partir de là, la prochaine fois que je ferai des menaces, vous les prendrez à la légère. Ou du moins, pas à la légère. Parce que bon... Lui, c'est le premier, c'est une première classe, et petit à petit, on va monter en grade. Donc bon, général, je vous fais plein de bisous. Puis n'oubliez pas, vous devez m'inviter boire un café, je t'attends toujours. Mais par contre, elle a dû exploser, parce que j'ai entendu un gros boom. Préparez-vous à tirer, monsieur. D'accord, monsieur, bien prêt, on ira investiguer tout ça. On va tirer. User left your channel. Vous êtes prêts? Oui, ça va, ça va. Vas-y, Dagne. Un peu choqué, mais ça va. Oh les gars, on se casse. Tu fais bien, non, tu fais bien. Voilà, parfait, magnifique. Voilà, vous inquiétez pas. Alors, vous êtes prêt, monsieur? À tout noter? Je joue pas le mal à lui. Ouais. Tu dis comment que tu t'appelles déjà? Allez-y. Il y a le chef. Non, tu dis comment que tu t'appelles déjà?
Antonio Luciano. D'accord. Ah, monsieur Antonio Luciano. Qu'est-ce que vous allez faire à présent? Dire les membres de merde dans lequel j'ai été pendant un jour. Ah, pour quelle raison allez-vous dénoncer ces mécréants? Déjà de une, c'est tellement un groupe de merde qu'il y a un membre du groupe qui m'a braqué pour me prendre ma voiture. Ah. Donc, lui dirait que je le balance. Excusez-moi. Ah oui, allez-y. Voilà, ensuite, il y a un chef qui insulte un peu les dieux, tout des trucs comme ça, pour rien. Ah. Oh, c'est pas bien ça d'insulter les dieux. Oh putain, parce que vous savez que les dieux peuvent être en colère. Et là. Ah ouais, je sais bien, du coup, ce monsieur il a pris un billet pour la Somalie. Ah, en plus? Ah oui. Da. Et ensuite, allez-y. Faites-nous une petite conclusion. Ouais, conclusion, voilà. Après, il y a certaines personnes du groupe qui sont gentilles quand même. Okay, okay. Ah. On met tous les noms, alors allez hop, on balance, on va pas traîner 3 ans. Allez. Y a Steven Gambinos, le chef. Steven Gambinos. Le chef. Y a Lenny Gambinos. Donc lui, c'est surtout un qui braque beaucoup, beaucoup. D'accord. Allez-y. Ensuite, il y a... Mike Gambinos. Un qui braque un peu moins avec Farm. Da. Inno Gambinos. Lui aussi qui est déjà plus sympa et qui... Comment? Répétez. Inno Gambinos. Nino Gambinos. Oui, qui lui est plus en bas. Inno ou Lino? Nino. Inno. Inno. Avec un N là. Nino. N comme Nathalie. Voilà. Nino Gambino. Encore Gambino? Oui. Putain, c'est des consanguins ou quoi? Lui, il est sympa, enfin voilà. Ah d'accord, donc lui, il est gentil. Voilà. D'accord. Après, il y a un ami à moi qui avait rejoint en même temps que moi parce qu'on voulait tester, voir ce que c'était cette famille, donc qui est un peu comme moi. D'accord, c'est quoi le nom de votre collègue? Hamid Mustafir. Ah bah ça va, c'est bizarre, ça, c'est pas un Gambino. Gambino à la fin, pardon. Hamid comment? Mustafir Gambino. Mustafir Gambino. Putain. Et lui, il a quitté le groupe comme moi, je pense, parce que voilà. Mais pas trop braquer les gens rien et leur véhicule. Ah. Ensuite. Rappeler, mais je pense que c'est déjà bien, ouais. Est-ce qu'ils ont un endroit de prédilection, des maisons, une habitation? Non. Non, justement, vu qu'ils font que braquer, ils ferment jamais, ils n'ont pas d'argent. Da. Bon. Il me semble que c'est bon. Bon. Vous avez été bien coopératif. Bien. Bon, je vais vous donner un petit conseil, monsieur. Quand on braque, on s'attaque directement à une valeur que je déteste. Voyez-vous. Moi, je n'aime pas qu'on me braque, alors je ne braque pas les autres. Moi, je n'aime pas faire du mal aux autres, donc je ne fais pas du mal aux autres. Alors la prochaine fois, monsieur, lorsque vous braquez quelqu'un, dites-vous ça. Quand je braque, je mets ma vie en danger. Peut-être pas aujourd'hui, mais sûrement demain. Bien. Bon. Compris. Vous êtes sûr de ça? J'espère qu'on n'aura pas à se déplacer deux fois, par contre. Parce que par contre, là, si je me déplace une deuxième fois, ça va très très mal aller. Mais quand je vous dis très très mal aller, oh, je pèse mes mots.
Vous savez, on reviendra à cet endroit ici. Est-ce que aussi, vous savez ce qu'on va faire de vous? Monsieur? Non. Monsieur, dites-moi, est-ce que vous avez de la famille, monsieur? Oui. D'accord. Une femme, je suppose? Un enfant? Ou pas encore? Non. Ah, d'accord. Et une femme, je pense que vous en avez une? Non, pas de femme. Moi. D'accord. D'accord. Vous n'avez pas de femme? Puis bon, vous avez vos parents, je suppose. Oui. D'accord. Bien. Vos parents, vous pensez qu'ils sont fiers de vous? Oui. Ah. Je pense qu'il serait regrettable. J'aurais une petite question, moi, par contre. Ah bah vas-y, vas-y. Vous êtes parti du gang quand exactement? En fait, c'est parce que tout à l'heure, moi, j'étais en train de farmer. Non, mais question, c'est le matin, l'après-midi. Il vous demande depuis quand vous êtes dans le gang. Tout à l'heure. Tout après-midi ou sort? Après-midi. Plus vers... Ah bah, elle est claire, ma question, 30. Tout le temps. À 18h30. Hein, 18h30.